Nous sommes au Séminaire de Québec, un des hauts lieux du fait français en Amérique du Nord. En 1663, François de Laval, le premier évêque de la Nouvelle-France, a fondé le séminaire la même année que Louis XIV a choisi Québec comme capitale de la Nouvelle-France, un vaste empire qui allait s'étendre sur une bonne partie de ce qui est aujourd'hui le Canada et les États-Unis, s'étendant jusqu'au golfe du Mexique et presque jusqu'aux montagnes rocheuses. La diocèse de Monseigneur de Laval était immense. D'ailleurs, ça couvrait tout le territoire réclamé par la France à cette époque. Le diocèse de Québec a depuis été divisé en au-delà de 150 diocèses aux États-Unis et au Canada. Le séminaire a établi des missions aussi loin que la vallée du Mississippi. Pour soutenir l'œuvre du séminaire, Monseigneur de Laval a acquis des grands territoires le long du Saint-Laurent. Il avait des fermes, il avait des moulins, des bateaux. En 1668, François de Laval a fondé également le petit séminaire pour préparer des jeunes garçons pour la prêtrise. Après la conquête, le petit séminaire a été transformé en collège pour offrir une éducation classique à tout garçon apte aux études. Plus tard, en 1852, les prêtres du séminaire ont fondé l'Université Laval, première université catholique francophone en Amérique du Nord. Les prêtres du séminaire ont préservé un patrimoine exceptionnel. Les édifices les plus anciens autour de la cour, avec leurs toits à pic pour que la neige tombe facilement, les murs de maçonnerie recouverts de crépi blanc, c'est comme si on se trouvait en Europe tout d'un coup. À l'intérieur, des pièces remarquable, la chapelle de Monseigneur Briand, qui est le bijou du séminaire avec ses boiseries de la fin du 18e siècle, l'escalier Saint-Joseph qui descend aux voûtes. Dans les voûtes, on se promène dans un endroit qui a peu changé depuis le 17e siècle, ce qui nous mène à la cuisine de Monseigneur de Laval avec ses plafonds voûtés. Il y a des édifices également du 19e siècle où on voit l'escalier incroyable en fer au centre de l'édifice et la salle des prêtres où nous sommes présentement. Le Séminaire de Québec, un patrimoine exceptionnel à découvrir.